Ouais, Benjamin? Ouais, allô? Allô, Benjamin? Ouais, je suis au volant là. Ouais, je suis au volant, je vais à mon nouveau travail. Ouais, bah ouais, j'ai dû avoir le permis pour mon nouveau travail en fait. De quoi? Ouais, bah ça va, mais je voulais bien. Ouais, l'INSEE. Ouais, j'y pensais aussi. Bah ouais, j'appelle des numéros inconnus. Apparemment, je vais voir comment ça se passe. J'appelle des numéros inconnus pour voir ce qui se passe, enfin, s'il y a quelqu'un à l'autre bout. C'est pour contacter en fait des numéros qui auraient pu être perdus. Non, ça travaille. Ah oui, pardon, c'est parce que je passe sur non. Voilà. À bientôt.
Allô, allô, oui. Oui. Oui, bonjour. Qui est à l'appareil? Marc. Marc. Pignasse. Yes. Quel est votre emploi? Sans emploi. Oui. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 21 mars 1908. Monsieur Pignasse, permettez-moi de vous poser une question qui sera peut-être indiscrète. Êtes-vous en fait décédé? Oui. D'accord, donc vous êtes mort en 1985. D'accord, et c'était votre numéro. Non, c'est le numéro de votre fils. D'accord. Donc, qu'on soit bien clair, vous êtes un fantôme. Oui. D'accord. Je vous remercie pour vos réponses. Et donc, je peux déconnecter donc votre ligne. Ne faites pas usage du téléphone. Merci. Au revoir. La vie de Fabien continue ainsi, comme ça, sans heurts, jusqu'au jour où.
Oui, bonjour. Oui, bonjour. Fabien Porret de l'INSEE. Je vous appelle en fait parce que nous faisons une recherche sur les numéros de téléphone inconnus. Et j'aurais besoin, si vous poussez, de savoir votre nom. Écoutez-moi bien. Alors, en fait, oui, je commençais à prendre mes aises à mon travail. Mais ce jour-là, oui, j'ai appelé un numéro qui une voix inhabituelle m'a répondu, une voix qui avait quelque chose de je sais pas, une sorte d'absolu dans la façon de s'exprimer, enfin de ton voix. Et là, j'ai su tout de suite, c'était pas un appel comme les autres, en fait. Oui. En fait, oui, je suis un agent mandaté par l'INSEE pour enquêter sur le. Alors, écoutez-moi bien. Ce que vous faites, c'est que vous appelez des lignes et vous demandez à les faire fermer. Vous. Savez-vous qui je suis? Je suis l'esprit même des lignes téléphoniques. Je n'étais pas au courant de ça. Je vis dans le réseau On ne m'a rien dit. et ce que vous faites en faisant fermer ces nombres inconnus, c'est que vous enlevez ma force vitale. Écoutez, je suis. Aussi choqué qu'on puisse l'être. Plus vous continuerez ce travail, et plus Mais on sait. j'aurai J'ai. d'énergie vitale qui me sera Non, retirée. j'ai honte d'avoir participé, même si je n'en étais pas conscient, Si je n'existe plus, à ces faits. le réseau téléphonique français disparaîtra. Il sera totalement anéanti. Je ne serai plus là Oui, pour en faire tenir les ondes. vous avez toute mon attention. Pour ce. La société s'écroulera. Oui. C'est ça que cherche à faire l'INSEE. Écoutez-moi bien, il y a quelque chose que vous pouvez faire. D'accord. Il existe un nombre secret qui vous permettra de vous connecter au réseau interne de l'INSEE. Ce nombre vous permettra de complètement détruire leur organisation. Ainsi, je ne serai plus en danger. D'accord. Si vous croyez aux télécommunications, vous devez le faire. Très bien, je vais appeler sur la ligne interne. On va mettre ça au clair. Merci de m'avoir. Merci. À bientôt.
Entrer le code secret. L'INSEE sera détruite et ne pourra plus faire le mal. Voulez-vous confirmer? Appuyez sur 5 pour confirmer. Merci de votre appel. À bientôt. C'est pour ça qu'en France, nous n'avons aujourd'hui plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui en France, nous n'avons plus de d'instituts. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui en France, nous n'avons plus d'institut d'études statistiques. Mais nous avons le meilleur réseau téléphonique au monde. Quant à moi, je suis aujourd'hui sans emploi, mais j'ai trouvé l'amour. Et je suis maintenant en ménage avec l'esprit des télécommunications. Nous sommes très heureux ensemble.